fallait. Maintenant, on est trop naïf sur certaines choses. On a encaissé le deuxième but, franchement. On a les gamins de 15 ans. Après, dans l'ensemble du match, franchement, on ne peut pas dire grand-chose. Un pénalty sifflé pour eux, je ne vais pas le commenter parce qu'il y en avait un pour nous après. Mais un miracle, oui, parce qu'on marque deux buts en deux minutes. Mais vous avez bien vu qu'on n'a jamais lâché, même dans une ambiance un peu difficile pour nous. Mais on a dit avant le match qu'on va tout donner. On a tout donné et on a été récompensé avec cette belle victoire quand même, parce que c'est jamais facile d'être mené à la maison. Et de revenir comme ça au score, c'est quelque chose de grand. Est-ce que le fait que le scénario soit dingue comme ça, c'est la victoire qui peut tout changer pour vous? Je l'espère, sincèrement. Il nous reste quatre matchs à gagner. Déjà le prochain, mais on sait qu'on a quatre finales. Une, on a remporté. Est-ce que c'est un signe? Je l'espère bien. Déjà, à Orléans, on a montré des choses assez intéressantes par rapport à le passé. Et maintenant, je pense que il faut quand même essayer de gagner les matchs bien avant la 90e minute, parce que ce soir, on a tremblé quand même jusqu'au bout, mais j'espère que c'est un signe pour la suite. Voilà. Parce que tu te rends compte quand même qu'à 3 minutes près, vous êtes en CFA. Je sais, ouais, j'étais bien conscient qu'avec cette défaite imaginaire, parce que ce n'est pas le cas, on était en CFA, mais cette équipe a montré qu'elle a des ressources nécessaires pour revenir déjà au score et gagner ce match très compliqué contre une équipe qui joue plus rien. Maintenant, on a une finale à Colomiers. Je pense qu'on va, depuis longtemps, on n'a pas profité d'un week-end. Je pense qu'on va essayer de profiter de récupérer. Et dès lundi, on remet une couche avec le coach et aller faire un résultat à Colomiers. Est-ce que vous avez déjà vécu un scénario aussi fou dans votre carrière, des buts comme ça, en 90e, 93e, pour inverser un score? Oui, mais je ne me souviens pas, je veux rester dans le présent. Voilà, ça fait du bien. Enfin, qu'est-ce qu'on ressent là, sur c'est une explosion? On ressent la rage, peut-être, je ne sais pas. On a été mal menés pendant 7-8 mois et on a envie de s'en sortir vraiment. Et je pense que c'est cet orgueil qui nous fait avancer. Et j'espère que ça va nous tenir jusqu'au bout et qu'on va réussir à se maintenir.